Bienvenue au Champs-Élysées Film Festival, on vous emmène avec nous dans les coulisses de cette 11e édition. Bonsoir, on est très heureuse de vous accueillir ce soir au Champs-Élysées Film Festival. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre film Nos Cérémonies ? C'est un film qui raconte l'histoire d'un amour fraternel très fort, du coup entre deux frères de 18-20 ans. Et Simon joue le grand frère et il y a son autre frère qui est là. Vous pouvez venir avec nous. On est en interview avec Road to Cinema et on parle de Nos Cérémonies. Et moi, j'aimerais savoir ce que ça fait en tant que comédien, acteur, d'être ici au Champs-Élysées Film Festival. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? C'est un honneur parce que nous, les Champs-Élysées, déjà, c'est immense pour nous. Et en plus de présenter un film avec le réal qu'on aime beaucoup, c'est un honneur. Hein. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci beaucoup. Bonsoir Aurélien. On est ravis de vous accueillir ce soir au Champs-Élysées Film Festival. Pareil, quelle joie, quelle excitation. Un festival qui célèbre le cinéma indépendant, la jeunesse. Donc c'est important d'être là pour moi. Je suis ravi d'être avec vous. Voilà. Qu'est-ce que ça évoque ? Qu'est-ce que ça représente le Champs-Élysées Film Festival ? Pour moi, c'est un festival qui est tourné vers la curiosité, vers ce qui se fait pas forcément et vers aussi la prise de risque. Parce que je pense que être ici ce soir en sélection officielle, après avoir fait un film autoproduit qui se passe dans l'espace, c'est une prise de risque de me choisir. Donc voilà. Qu'est-ce que vous ressentez là ce soir ? Quelle émotion vous traverse d'être là ce soir ? Moi, je suis content de pouvoir partager ce moment-là avec un réalisateur que je kiffe de fou. De voir un peu ce qui va se passer justement au moment de la cérémonie. En tout cas, content d'être là avec vous tous. Ça fait plaisir. Bonsoir le jury presse. On est très heureuse de vous accueillir ce soir. Dites-nous comment s'est passée cette semaine tous ensemble. C'était très chouette tous ensemble. On a passé un super moment tous les quatre, génial. Vraiment. On forme une famille maintenant. Voilà, d'ailleurs on part en vacances ensemble. C'est ça. On emménage, on cherche une coloc. Exactement. Vous connaissiez avant ou c'est le Champs-Élysées Film Festival qui a fait que vous vous êtes rencontrés Alors Renaud, qui est la pierre angulaire de ce métier, connaissait tout le monde. Forcément, mais je n'en doute pas. Je ne connaissais pas. Alors, quel bilan tirer de cette présidence du court-métrage cette année ? C'est vrai que ça a été une super semaine avec mes autres collègues jurés. On a vu plein de films vraiment très intéressants et on est content ce soir de pouvoir en récompenser certains, même si on a été très touchés par l'ensemble. Donc c'était très cool. Les délibérations n'ont pas été trop compliquées ? Vous avez réussi à vous mettre d'accord ou tout le monde avait ses goûts ? Bien sûr, il y a eu des goûts qui se sont distingués, mais dans l'ensemble, on était assez d'accord. And why you are here tonight ? For the French premiere of my movie Everything Everywhere All at Once. And if you resume with one word to the Champs-Élysées Film Festival, what is this for you? Merci. Merci to the Champs-Élysées. Oui, merci Champs-Élysées Festival. Yeah, that's great. My favorite moment of the festival was I was on a walk 2 days ago and I just bumped into Ari Aster on the Champs-Élysées. Really? Yeah, just on the street. And then we went on a walk and talked about movies. It was like a movie moment. It was so fun. Amazing. I had no idea he was even here. Yeah, it was wonderful. Bonsoir, l'équipe de Rodéo, vous êtes hyper nombreux, venez avec nous. On est hyper heureux de vous accueillir. Donc vous venez de remporter le prix de la critique long métrage français. Venez. Waouh ! Qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix ? C'est incroyable, on n'y croyait pas trop et puis on a déjà été bien récompensés et encore une fois là deux prix, donc on est vraiment contents je pense. C'était inattendu de recevoir deux prix, un déjà, c'est chouette, mais deux, ça fait quoi ? On savait déjà qu'on allait gagner, à Cannes c'était facile, là c'était un peu plus facile, non franchement c'est cool, on s'attendait pas à avoir un prix là, deux prix, je pense que les jurys ils ont compris le message et toute l'énergie qu'on a envoyé, et c'est cool, on va tout casser, c'est pas fini, demain c'est nous, allez bisous.